C'est l'histoire de Sacha et Dani qui partagent un appartement à Paris. Et de leurs voisins, Nico et Sam, qui vient d'Amérique. Annie est amoureuse de Nico. Mais Nico est amoureux de Sacha. Sacha est amoureuse de Sam. Mais devine quoi? Sam est amoureux d'Annie. Oh là 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 là, comment vont-ils s'en sortir? Ne rate pas le prochain épisode de Extra. Alors voyons voir. Lion, changement dans votre carrière, vous gagnerez plus d'argent. Ah ah, plus d'argent. C'est mon jour de chance. J'en étais où? 98, 99, 100. Donc ça, c'est fait. Maintenant, les coussins. Dans l'ordre précis, vert, violet, rose ou... Non. Ah, salut Sacha. Salut Sam. Hi Annie. Qu'est-ce que tu fais? Non, Sacha, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Mais il le porte. Enlève-le. Quoi? Cette couleur, ce t-shirt, enlève-le. Ah, cette t-shirt, cette couleur, c'est... Non! Ne le dis pas! Tu ne prononces pas la couleur, tu enlèves le t-shirt et tu le caches! C'est fait! C'est fait. Sacha ne doit voir personne porter la couleur orange. Pourquoi? Parce que cette couleur ne me porte pas chance et que c'est le jour du loto. Le jour du loto? La loterie. La loterie? Et qu'est-ce que c'est? La loterie, qu'est-ce que c'est? La loterie, qu'est-ce que c'est? Sam! Tu sors d'où? Je choisis 5 numéros. Mes numéros sont 66, 11, 89, 18, 69. Et si mes numéros sont les mêmes que les numéros du loto à la télévision, je gagne des millions! Right. I've never heard of it. Et à chaque fois qu'il y a le loto, Sacha fait exactement la même chose pour que ça lui porte chance. Elle se brosse les cheveux, arrange tous les coussins. Personne ne doit porter la couleur orange. Elle devient tout excitée. Et je sais comment rester calme. Yoga. Oui, yoga. Donc voilà, Sam, tout ça pour le loto. Great. Bon, moi, je vais faire du shopping. Je te ramène quelque chose? Oui. Est-ce que tu pourrais chercher ma robe au pressing, s'il te plaît? Pressing? Oh, I get it. Dry cleaners. OK. Le ticket bleu est sur le tableau. Ah. Ah, je l'ai. À plus tard, Sacha. Merci, Sam. À plus tard. Sam? Hey, Nico, je viens de voir Sacha. Ah ouais? Et où est-ce que tu vas? Où est-ce que je vais? Faire du shopping. Attends, viens ici. 01 42 24 23 22. Sam, j'ai besoin d'un stylo. Ah!
du papier, j'ai besoin de papier. Alors, 01, 42, 24, 23, 22. Ah, oh, Sam, merci, tu es un pote. Et qu'est-ce qu'il y a? Sam, aujourd'hui, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Émilie. Elle est belle, elle a de longs cheveux blonds et de grands yeux bleus. Waouh! Et elle m'a reconnu? T'as reconnu? Moi, Hector Toutou. Voici la météo avec Hector Toutou. Et elle est folle de moi. Et où est-ce que tu l'as rencontrée? Elle était arrêtée à un feu rouge dans sa voiture de sport. Alors je lui ai dit, tu me prends en stop, poupée? Mais elle a dit non. Mais en partant, elle m'a donné son numéro de téléphone. Ouh. Mais comme je n'avais ni papier ni stylo... Ah, ouais, si. Hé, hey, Sam! Et peut-être qu'elle a une amie ou une sœur... Oh, wow! Yeah! Hé, hey, mais tu sais, l'orange, c'est ma couleur porte-bonheur. Allez, viens avec moi, sortons. C'est mon jour de chance. Et voici le loto. Oh, chouette! Allez, Sacha, c'est ton jour de chance. Et les numéros sont... Ah. Oui. Oh, bonjour, maman. Écoute, je suis occupée en ce moment, hein. Ah, j'ai gagné. J'ai gagné. Maman, je te rappelle plus tard. Nous vous rappelons les bons numéros du tirage de cette semaine. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'à 22 heures pour réclamer vos gains. C'était qui au téléphone? Loto, numéro, gagné, numéro. Qu'est-ce qui se passe? Annie, j'ai gagné au loto! À partir de maintenant, c'est la grande vie! Oh, la haute couture! Les vacances exotiques! Les grandes maisons de luxe! Paris, Londres, Los Angeles! Les belles voitures! Les meilleurs restaurants! Les stars seront nos amis! Et naturellement, je donnerai beaucoup aux œuvres de charité. Plus de travail! Oh, plus de patron! En fait, j'appelle tout de suite pour donner ma démission. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Claude Blanc. Veuillez laisser un message et nous vous rappellerons dès que possible. Claude, c'est Sacha. Je démissionne. Je rends mon tablier. Je vous quitte. Je suis partie. Vous pouvez vous le garder, votre sale boulot. Ciao. Oh là 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 là. Ça n'est pas bien. À partir de maintenant, plus de patron pour Sacha. C'est Sacha la patronne. Et maintenant, mon joli petit ticket de loto. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Le ticket de loto a disparu. Quoi? Et le ticket du pressing est toujours là. Ah! Sam! Je l'ai. À plus tard, Sacha. Sam a pris le mauvais ticket. Je vais l'appeler. Retrouvez Sam. Il peut être n'importe où. Je sais. Allons au pressing. Il sera certainement là. Oh, bonne idée. Et on pourra aussi récupérer ta robe. Do you know what the lottery is, Mom? No. Neither did I. Aujourd'hui, c'était le jour du loto.
et j'ai fait comme d'habitude pour que ça me porte chance. Et bien sûr, j'ai fait mon yoga. La bonne nouvelle, Sacha a gagné au loto. La mauvaise nouvelle, elle ne retrouve plus son ticket. Sacha a demandé à Sam d'aller chercher sa robe au pressing. Oh, I get it. Dry cleaners. Ok. Mais Sam a pris le mauvais ticket. Oh là 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 là. Pauvre Sacha. I think they really trust me now, Mom. They trust me to do anything. La serveuse, t'aimes bien, Nico. Ouais. Deux filles en un seul jour, appelle-moi Monsieur Irrésistible. Hey, salut les filles. Ah, ta robe, j'ai oublié. Wait a minute. How did you get the cleaning when I had a ticket? Sam, mon chou, tu as un ticket, mais tu n'as pas le ticket du pressing. Quoi? Tu as pris le mauvais ticket. J'ai pris le mauvais ticket. Tu as pris le mauvais ticket. Donne-le-moi. Sure. Je l'ai ici. Tu as le ticket, Sam. Oui, oui, j'ai le ticket, Sacha. J'ai perdu le ticket, Sacha. Tu as perdu le ticket, Sam? J'ai perdu le ticket, Sacha. Hein? Tu as perdu le ticket, Sam! Mais c'est pas vrai! Il y a le numéro d'Émilie dessus! Ça va, Sacha? Sam! Le ticket que tu as pris sur le tableau n'était pas le ticket du pressing. C'était mon ticket de loto! Mon ticket gagnant de loto. Oh. Je suis multimillionnaire. Et j'en ai pas mon ticket! Et toi, arrête de ricaner bêtement! C'est aussi ta faute! Break! Ok, ok. Sam, Nico, où est-ce que vous êtes allés? Allez, on réfléchit! On réfléchit! D'abord, nous sommes allés au magasin de CD. Non! D'abord, nous sommes allés au Café Bleu. Mais tu te rappelles, la serveuse? Oh, yes. Hey. Oui. Et? Ok. D'abord le Café Bleu et puis le magasin de CD. Et puis le magasin Les Garçons Chics, rue Jean Jaurès. Les Garçons Chics? Oui. Et pourquoi pas? Et puis le magasin de motos. Ensuite, nous sommes allés au cybercafé pour vérifier nos emails. J'avais un message d'une nana super mignonne. Stop! Oui, Sacha? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas Sacha. Vous allez retourner au Café Bleu, au magasin de CD, au Garçon Chic, au magasin de moto et au cybercafé, et vous allez le retrouver. Oui, mon général. Et ne revenez pas avant de l'avoir trouvé. Compris? Compris. Vous avez jusqu'à 10 ans ce soir, ok? Ok.
Ok, Sam, bonne chance pour retrouver le ticket et à tout à l'heure. Hey, wow, wow, wow! Où est-ce que tu vas? Wow, wow, wow! Au feu rouge. Émilie va peut-être y retourner. Son numéro de téléphone est au dos du ticket que tu as perdu, Sam. Et qu'est-ce que je fais, moi? Eh bien, tu vas chercher le ticket, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ok. Je suis le vendeur, et toi, tu es... Ouais, tu es toi. Génial! Bonjour. Bonjour. J'ai perdu. J'ai perdu mon ticket. Et puis quel genre de ticket? Un ticket de loto, un ticket gagnant. Gagnant? Attends, attends une minute. Quoi? Et tu ne peux pas dire que c'est un ticket de loto gagnant. Pourquoi? Parce qu'ils vont le garder. Oh. Non, 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 non. Tu dois être quelqu'un d'autre. Qui? Quelqu'un qui peut fouiller dans les poubelles. Fouiller dans les poubelles? Un éboueur. Un éboueur? Mais oui, un éboueur peut fouiller dans les poubelles. Ah, Nico, tu es génial. Génial. Allez, viens, Sam. Il te faut des vêtements d'éboueur. Allez, viens. Sasha's mad at me. Why? I think it's because I've forgotten a dry cleaning. Quelle journée! J'ai rencontré Émilie au feu rouge. Elle est folle de moi! Elle m'a donné son numéro de téléphone. Malheureusement, le numéro d'Émilie est sur le ticket de loto de Sasha, que Sam a perdu. Or maybe she's angry because I lost her winning lottery ticket. They take it very seriously here, Mom, you know? Allô, Sam? Oui, alors, vous avez retrouvé le ticket? Non, pas encore. Oh! Rappelle-moi quand vous aurez retrouvé le ticket! Lion, vous allez avoir une grosse surprise. Votre vie en sera renversée. Alors? 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 Alors quoi? Des résultats. Ah! Oui et non. Oui et non quoi? La mauvaise nouvelle est que je ne l'ai pas retrouvé. Quoi, mon ticket? Non, Émilie. Émilie qui? Émilie, la fille du feu rouge. Oh. La bonne nouvelle est que... Oui, oui. J'ai gagné 100 euros en lavant les pare-brises. Oh, oui, Sam. Où est mon ticket? Regarde l'heure, il est 10h-10. Oh, 10h-10. Et je n'ai pas donné à manger à Louis. Où est Louis? Il était sur mon lit toute l'après-midi. Merci, Nico! Ah, Louis, tu es là. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon Louis? Oh. Sacha, Sacha, je l'ai trouvé, ton ticket! Quoi? Où? Sur le lit. De Nico! Sur le lit de Nico. Ben voyons. Donne-le-moi. Donne-le-moi. C'est mon ticket de loto. Il y a le numéro d'Émilie derrière. C'est le mien. Donne-moi le numéro. Ah! Ok, c'est bon. Je vais scotcher tout ça. Oh, merci Annie. Et maintenant, à moi l'argent. Pauvre Sam! Nous avons retrouvé le ticket de Sacha! Ah oui, great! C'est une bonne nouvelle, non?
Great. Ça veut dire que je vais pouvoir appeler Emily maintenant. Great. Oui, enfin, quand Sacha aura fini. Oui, bonsoir. J'ai les 5 bons numéros. Oui, je suis tellement contente. Si je peux confirmer les numéros gagnants, bien sûr. 66, 11, 89, 18, 69. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, ce ne sont pas les numéros gagnants? Mais si! Si, je les ai vus de mes propres yeux! Ha! Ha! Ah, et alors, quels sont les numéros gagnants? 69? 81? 68? 11? 99? Mais comment... Oh, Sacha! Tu as oublié tes numéros! Hey! J'ai compris! Sacha, que faisais-tu quand tu regardais le loto à la télé? Mon yoga! Dans quelle position? Comme ça! Ce sont les bons numéros, mais comme ça! Bravo, Sam! C'est renversant! Ah, ce n'est rien! Ah! Le numéro d'Emilie! 01, 42, 24, 23, 22. Ah, c'est bien, ça sonne. Émilie, c'est moi, Hector Toutou. Mais vous n'êtes pas Émilie? Non, je n'ai pas besoin de taxi. C'est bien le 01, 42, 24, 23, 22. Oh, les taxis Pierre. Émilie... Pourquoi tu m'as menti? Quel jour de malchance! Au moins, ça ne peut pas être pire! Oh! Si! Vous pouvez vous le garder, votre sale boulot! Ciao! Mon message! Mon boulot! Il faut effacer ce message tout de suite. Et je sais qui va le faire. Oh non! Oh si! Nico, on ne devrait pas être ici. C'est ok. Sacha a dit que c'était ok. Le message. Service de sécurité, qui est là? Vite, filons! Dans le prochain épisode de Extra, la sœur jumelle de Sacha vient en visite. Sam demande à Annie de sortir avec lui. Et pourquoi est-ce que Sacha est si gentille? Ou l'est-elle vraiment? Ne rate pas cet épisode !